Donc, nous sommes dans une école maternelle. Et donc, en classe maternelle, avant de faire nos sorties, nous commençons par une mise en situation. Mm-hmm. Donc, soit on fait une petite chanson, mm-hmm. ou alors on raconte une petite histoire, et avec ça va suivre notre sortie à l'extérieur. Un exemple concret de petite chanson, de petite histoire que tu as déjà utilisée ? C'est la chasse à l'ours. Oui. Donc on fait la petite chanson de la chasse à l'ours et donc on va essayer de suivre le même chemin que l'histoire. Mm-hmm. Et sinon, on peut faire aussi une petite histoire avec les lutins. On va à la recherche des lutins qui nous ont laissé des petits objets et on va aller à la recherche des trésors des lutins. Et puis souvent, pas tout le temps, mais très souvent, je demande de redessiner le moment de la journée. Et je ne dois pas vous cacher, à 80%, c'est le feu qui ressort, ouais. En tout cas, favorablement chez les garçons. Et à ton avis, qu'est-ce qui explique que c'est le feu qui ressort systématiquement chez la plupart de tes élèves ? Moi, je crois que c'est un peu l'interdit. Mm-hmm. Et puis, il n'y a rien à faire. Les garçons, il faut toujours mettre un bâton dedans, activer le feu. Donc, je crois que c'est vraiment l'élément... Et quelque part dans l'école du Hors, c'est quand même l'élément clé quand même. On a fait une sortie donc à la citadelle de Namur où notre animateur Nicolas avait exposé plusieurs plans de la ville sur des cartes qu'il avait étalées sur le sol. Ces cartes étaient à différentes échelles et donc ça tombait bien parce que c'est une notion que je devais voir avec les enfants. Et donc lors du retour en classe, j'ai profité de cette sortie pour pouvoir revenir sur les cartes et repartir sur ce qui avait été découvert, donc les différentes échelles. Et alors, sur différentes cartes à ce moment-là que je me suis procuré, on a calculé le trajet que nous avions fait lors de cette balade. On a vu que le trajet était le même au point de vue du kilométrage, malgré le support différent des cartes. Puis à côté de ça, cette année, j'ai fait une sortie ou deux toute seule. Mm-hmm. Et là, j'ai pas tellement voulu faire, pour la première fois, des liens vraiment avec la matière scolaire, quoi. J'ai fait plus... créativité, lame d'art, cuisine sauvage, mais plus pour le plaisir.